Le goalball est une discipline exclusive des Jeux paralympiques pour les athlètes avec un handicap visuel. Les matchs sont rapides et intenses, on doit marquer vite et pour bloquer les tirs adverses, on utilise son corps. Chaque équipe comporte 6 joueurs, dont 3 sur le terrain. Les athlètes ont différents degrés de handicap visuel. On porte des masques opaques pour neutraliser les différences de vision. Chaque match dure 2 fois 12 minutes. Le but de 9 mètres couvre la largeur du terrain. Les lignes du terrain sont en relief pour s'orienter. Il y a des grelots dans le ballon et le public doit rester silencieux pour qu'on l'entende. En attaque, on peut marquer grâce à des tirs avec rebond ou en rotation. Pour que le tir compte, le ballon doit toucher la zone d'équipe, puis la zone neutre. Sinon, il y a faute, c'est pénalty, et le joueur doit défendre seul son but. Le goalball exige une sacrée résistance. En défense, on ne peut bloquer le ballon qu'avec son corps. Et si on réussit, on n'a que 10 secondes pour tirer à son tour. L'équipe avec le plus de points ou une avance de 10 buts gagne. Encouragez-nous aux Jeux paralympiques de Paris 2024.